Le plus gentil des joueurs, gentleman et pro gamer. Gentleman parce que je vais faire une fleur à Mr. Freeze. Je vais lui offrir la chance de découvrir mon tout dernier costume, Batman de Sinestro Corps. Eh bien, voyons voir ce qu'il donne en baston. C'est le Mr. Freeze Boss Fight, mesdames et messieurs. Bienvenue de retour sur Flag. C'est toujours votre frigoriste, votre spécialiste des frigos, Biggie, qui est là avec vous pour vous servir et qui va essayer de se défaire de ce petit bataldo de Mr. Freeze. Oula, mais ils m'ont mis loin. Ah oui, d'accord. Ah, on est... Si on... Si on si... Si notre méthode c'était de se planquer en jaune et noir comme ça, c'est raté. Musique de traître, tenue de traître, gueule de traître. Impressionnant, Batman. Je ne pensais pas que tu allais revenir. Je suis un homme de parole, Luthor. Tu devrais déjà l'avoir compris. Le processus de liaison semble avoir été conclu. Comment te sens-tu? Tu n'as pas l'air bien. Donne-le-moi. J'ai bien peur que ce soit impossible, Batman. Tu viens en fait de me donner ton dernier ordre. Non, Victor, ce n'est pas le moment des négociations. On sent qu'il a travaillé la punchline tout seul dans son labo. Le clone, il a plus travaillé sur la punchline que sur le... que sur la formule scientifique. Bon, allez, on l'a déjà vu. Alors. Je te souhaite la bienvenue dans mon. Oracle, Freeze m'attaque. Donnez-moi la télémétrie de sa tenue. Vite! Pas de problème. N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois. N'essayez pas de l'affronter directement. Il est trop puissant. Très bien. Les données sont prêtes. Je vais me faire une série de statues. Tu ne sais qu'on va voir s'il kiffe. Oui. Il kiffe pas du tout. Parce qu'il est ce con d'ailleurs. Ok, on continue. Oula. Wise ne doit surtout pas me voir. Il est trop dangereux. Non, tu vas payer pour ce que tu viens de faire. Très bien. Ça l'énerve. C'est tout ce qu'on voulait. Tu ne sais combien de choses. Je ne peux perdre l'avantage de la mémoire. Non. Ce n'est pas très intelligent, Batman. Mais... Alors, combien de statues reste-t-il? Il est au-dessus de moi. Il n'arrive pas à comprendre où je suis en fait. Je suis trop rapide pour lui. Oula. Trop rapide, mais. Putain, Batman. Je t'ai repéré, Batman. Aïe. Putain. Je crois qu'on en a fait toutes les statues. Il en reste une peut-être dans la pièce. L'étreinte de la mort est glaciale, Batman. J'avais oublié quelle gueule il avait en cinématique de mort. Une bonne petite gueule flippante. Il a encore travaillé son masque pour se faire des yeux rouges. Alors que j'ai vu son corps de crevette, son corps de grand-père. Je te souhaite la bienvenue dans mon oracle. Freeze m'attaque. On va commencer par les autres statues. Vite. Pas de problème.
N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois. N'essayez pas de l'affronter directement. Allez, bien. Très bien. Les données sont prêtes. Donc là, on a déjà vu qu'il n'y avait rien. Pourquoi j'y vais? Je ne sais pas. Non, non, non. Ah, je peux essayer de mettre... Ah oui! Est-ce que ça marcherait, ça? Un peu de gel explosif. Il est où? Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu es à moi. Pourquoi est-ce que je ne vois plus Mr. Freeze? Ok, très bien. Aïe. C'était pas réciproque, lui il me voyait très bien. Contact visuel avec Batman. Ouais. Je vais te crucifier pour ce que tu m'as fait faire. Bon. Voilà ce que tu m'as fait faire, tu m'as... Je t'ai pas forcé à me trahir. Le pacte était équitable. T'as encore pété un boulon, man. C'était déjà assez ouf comme as. Très bien, très bien. Donc, je crois que j'ai déjà essayé de tirer. Oh. Comment ça s'appelle? À la décharge électrique sur les. Sur les pylônes cassés. Je vois mes empreintes. Le voilà. Vite, ce cassos. Ça ne fait rien du tout. Bon, incroyable. Ah oui. Oui. Ça, je me suis dit sinon il y avait une autre. Oula, oula, oula. Pas content, pas content. Utiliser quoi? Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de me prendre là en fait? J'ai pas compris. C'est lui qui commence à tirer l'électricité un peu partout. Je suis mal. Mais... Il fallait me le dire dès le début. J'aurais éclaté la gueule bien plus facilement. Oula, par contre, il ne perd pas de vie. Incroyable. Pourquoi? Je vais lui mettre un petit coup de décharge dans sa gueule. Ça va l'aider à réfléchir. Ouais. Ça ne l'a pas du tout aidé. Toujours aussi con. Freeze ne doit surtout pas me voir. Il est trop dangereux. Oula, oula, oula. Bon. Non, mais non. Il y avait un putain de... Aïe. Il y avait un putain de mur, Batman. Lui, par contre, ça le dérange pas, il peut le faire. Tu ne pourras pas rester caché, Batman. Bon. Oh.
Mais non, c'est pas possible, j'avais raté cette dernière step. Incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Bon. Tu peux toujours te cacher, Batman. Je te trouverai et je te tuerai. Non. Allez. Bon, c'était R2 en fait. Moi, je faisais R1 depuis le début. Vite, 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 vite. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Pas perdu dit du tout. Tu veux donc il est en grande forme. Très mauvais. Ça va durer longtemps. Alors. Est-ce qu'il y a encore une dernière statue que j'aurais ratée? Oh! Il a fait quoi avec. Il a fait quoi avec ça? Il l'a gelé. Il l'a gelé pour pas que je puisse le niquer, putain. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Freeze ne doit surtout pas me voir, il est trop dangereux. Mais comment je fais pour. Waouh! Faut que je repasse dans son dos. Élimination directe. Non. Mais attendez, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais oublié de le frapper? Ah oui, c'est ça. En fait, ce que j'avais fait les premières fois n'a servi à rien. On peut activer l'électricité quand il passe par ici. Approche un peu, affronte-moi comme un homme. Voilà, pour le moment, je suis pas trop chaud. Faut que je trouve une bonne route pour t'approcher. T'es où? Ah oui, il a un truc dans son dos maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Batman, tu fais n'importe quoi. Ah, il tire à vue là. Il voit un bout de cap, il tire. Tu peux toujours te cacher, Batman. Je te trouverai et je te tuerai. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux plus passer dans son. Que je peux plus passer dans son dos à cause de. Du rayon? Oula. Plan B, plan B. Non, c'était pas ça le plan B. C'est la chaleur de tes empreintes qui te frappe.
Ouais, c'est ça, on peut plus attaquer dans le dos. Ouvrir quoi? Je dois continuer à varier mes tactiques. Les attaques surprises sont le seul moyen de rompre freeze. Oh mon dieu. Les attaques surprises, les attaques surprises. C'est-à-dire... La chaleur de tes corps te trahira. Ok, ça m'a l'air d'être un bon exemple d'attaque surprise. Si on pouvait péter sa tenue petit à petit, ce serait pas mal aussi. Ce combat est extrêmement long. Ceci ne se reproduira pas. Alors, qu'est-ce qui va justement... qu'est-ce qui commence à geler maintenant? Il commence à geler les escaliers. Toujours pas passer dans son dos. Dur. Tu ne sortiras pas vivant de cette pièce. Ouais. Heureusement, il n'est pas allé chez l'opticien depuis 1 million d'années. Ce qui est bon signe pour nous. Bon. Où est-il? Je vais te refroidir. Ah non! Très bien, très bien. Oh non, j'ai plus de vie. C'est pas possible. Donc on aura perdu tout ce temps pour rien. Parce que là c'est sûr que je vais me reprendre un coup avant la fin du combat. On peut toujours utiliser ce truc là. Non. Il y a combien de méthodes pour le... pour l'étourdir? Tu veux toujours te cacher, Batman. Je te trouverai et je te tuerai. Bon. Là, si je me débrouille, si je me débrouille pas trop mal. Tu ne sortiras pas vivant de cette pièce. On va suivre mon petit chemin. Ça ne lui a rien fait du tout. Putain. Alors peut-être que ça. Non plus ça. Je ne parierai pas grand chose là-dessus. Ah mais bien sûr, il y a les grilles. Non, 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 Batman. Les grilles, toujours, toujours les grilles. Bon. Maintenant qu'on est là. Tu ne pourras pas rester caché, Batman. C'est la surprise de la ventilation.
Alors qu'est-ce qu'il va faire cette fois? Il va geler la ventilation. Mes erreurs me rendent plus fort, Batman. Et toi? Ah oui, merde. Je veux te voir, Batman. C'est intéressant ce combat. Alors là, par contre, je ne sais plus. Ah si, d'accord, ok, ok. Ok, on va recommencer. Bon, non, bah quand même. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est je viens de comprendre. Il faut le faire passer pile en dessous de ce truc. Ok. Et ensuite, il faut que ce soit nous qui nous trouvions au-dessus de Freezer au moment où il passe à ce niveau-là. Vite, 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 vite. Aïe, aïe, ça va être trop tard. Vite, putain. Allez. Bon, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire de l'autre côté. Avant de crever. Vite ne s'ouvrira pas. Très bien. Mais non. Oh mon dieu. Ah non mais ça va. Heureusement il peut pas voir. Lui non plus il peut pas voir à travers. Il vient encore de m'enlever une précieuse option. C'est chaud ça, petit enfoiré. Tu ne pourras pas rester caché, Batman. Lanculus. Maximus. Donc il est complètement insensible au gel batarang. Au gel batarang. Au gel explosif. Il me reste quoi? Tu ne sortiras pas vivant de cette pièce. Il me reste les câbles qui traînent là, mais... Alors, il me parlait d'un interrupteur désactivé à cause du froid extrême. Allons voir cet interrupteur. Impossible, impossible. On me refuse le droit d'utiliser mon séquenceur cryptographique. L'être humain a des droits, mesdames et messieurs. Utiliser son séquenceur cryptographique en est un. Je te trouverai et je te tuerai. Oh dur, oh dur. Il est trop futé pour subir la même attaque de fois. Freeze ne doit surtout pas me voir. Il est trop dangereux. Donc je fais quoi? Je fais une petite boule fumigène. Je crois que c'est le dernier truc que j'ai tenté, qui me reste à tenter. Couverture en coin. Allez mesdames et messieurs, non. Alors attendez, je tente d'abord la boule fumigène. Et après, je promets que je tente la... Aïe aïe aïe. On ne sait pas lancer une balle fumigène malheureusement. Oh le temps que ça nous a pris, c'est incroyable. Je vais te glacer le sang. Tu vas me refroidir? Ou est-ce que je t'ai déjà volé ta seule deuxième punchline? Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Si tu m'avais vu, cher Mr. Freeze, en train de... Je souhaite la bienvenue dans mon oracle. Tous les mots de passe les uns avant les autres. Donnez-moi la télémétrie. Les uns après les autres. Vite. Pas de problème. Nous
N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois. N'essayez pas de l'affronter directement. Il est trop puissant. Il y a un truc à faire avec les statues. Je les envoie. Ah non. J'aurais peut-être pas dû détruire les statues. Cette stratégie ne me fonctionnera plus jamais. D'accord. Alors où est-ce qu'il est? Merde. Faut se dépêcher. On va le rater. T'as dit quoi? Pète-moi la gueule s'il te plaît, Batman. Oh, ça me fait plaisir. Si tu savais comme ça fait plaisir de t'aider. C'est bien, il le prend avec le sourire. Oh 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 oh. Pas bon. Pas bon du tout. Toujours pas bon. Allez bon. Tu ne pourras pas rester caché. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais... Oh non! Dommage. Et là, je pouvais pas lui faire une attaque tombée. Tout devient de plus en plus étrange. Tu ne peux pas te cacher dans le froid, Batman. Ce monde m'appartient. Non. Freeze, n'aie surtout pas me voir. Il est trop dangereux. Il est juste en face de nous. Oula. Ah si. Oh si. R1, il me proposait de faire R1 sur quelque chose. Oui. Qu'est-ce que je me suis pris là? Les erreurs me rendent mort, Batman. Et toi? Ah, vu les tartes que je te mets à chaque fois que tu fais une erreur... Je dirais que ça te rend plus faible, mais... C'est un avis personnel. Est-ce qu'il me voit d'ici? La chaleur de Oula. Il va me voir. Des actions trahissent la position. Oh, dur! Laisse-moi tranquille. Tu veux toujours te cacher. Un contexte visuel, mais non. Il tire encore. Comme une fouinasse. Mr. Fouine, comme on l'appelle. Allez.
les statuettes. Aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Bon, il y a des murs. Je ne vois pas encore. Ils peuvent m'être utiles. T'as senti ça, Batman? Ce n'était rien. La prochaine fois. J'essaie de péter un peu le décor, je me dis que ça pourrait aider. Donc il nous reste les rambardes. Tu ne sortiras pas vivant de cette pièce. Oh no. Il y a parlé rambarde. J'ai oublié. Pas grand chose. Les statuettes. Ok. Ok, alors j'ai compris un truc avec les murs. Il va falloir que je me mette d'un côté du mur et que je lui fasse élimination. Je pense que c'est ça. Je t'ai prévenu, Batman. Tu ne pourras pas te cacher. Alors, par où compte-t-il passer? On va prier pour que ça marche. Donc moi je vais me mettre de ce côté du mur. Tu ne peux pas te cacher dans le froid. Ah, il a besoin de ses drones pisteurs encore une fois. Des batarangs. Waouh. Pas bon. Je viens par ici. Regarde mes belles traces de pas. Aïe, ils m'ont pas du tout proposé l'élimination. Bon. C'était moche. Échec mission. Accès au bat ordinateur. Alors, structure fragile. Élimination silencieuse. Attaque tombée. Les fenêtres. Putain, ok. Bah, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec le mur. Gris au sol, je l'ai fait. Rebord, j'ai pas fait. Ah, inverser depuis un rebord. Et rebord, c'est pas la même chose. Ah oui, d'accord, ok.
éléments sont vraiment trop faciles à pister. Mais non, mais non. Non, il peut pas juste suspendre. Quelle arnaque. Et maintenant, Freezer est au courant. Il sait que je suis faible. Tu peux toujours te cacher, Batman. Je le trouverai et je te tuerai. Bon. C'est déjà ça pris. Vite, bouge Batman. Non, Batman, on va pas mourir à cause de sa décharge électrique quand même. Ok. Donc ça, c'était coup de pied. Coup de pied planant. Il s'était pas coup de pied depuis un rebord. On va lui faire fenêtre, on va lui faire le coup de la fenêtre. Oh merde, oh merde. Allez, ça marche quand même. Il n'y a plus de fenêtre, mais c'est bon. Putain, vive l'analyse du bot ordinateur. On aurait été très mal. Donc normalement, il nous reste juste depuis un rebord. Ceci ne s'ouvrira pas. Ok. Eh ben croisons les doigts, vu la vie qui nous reste, on n'a pas le choix. Tu ne sortiras pas. Oui. Comment? Comment? Bah tiens, je vais te montrer comment. Bonne nuit, fils de pute. Sale traître. Bâtard. Elle était bien bonne, elle était bien bonne. Trophée d'argent, cache-cache. Cache-cache dans le frigo, ouais. Pitié, trouve Nora. Elle est tout ce qu'elle me reste. Ouais, je l'ai trouvé, la violée. J'ai pu fabriquer. Harley Quinn l'a pris. Alors qu'est-ce que tu attends ainsi? Comment ça Harley Quinn l'a pris? On était dans la pièce, on n'était que deux. Pour ce qu'il nous a fait subir. Ce n'est pas aussi simple. Le Joker a bouclé toute la série. Ce sera très difficile d'y entrer. Elle a fait un trou de l'autre côté, putain. J'ai travaillé à un nouveau système de projectiles. Peut-être cela te permettra de faire ce que tu veux. Non, 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 arrête d'essayer de revenir dans mon camp, là. On est ennemis, c'est tout. Solidifier l'eau ou neutraliser les adversaires. Ok, super, super Batman. Ah, Freeze, c'est pour ça qu'il a pris Freeze comme ça. Mais c'est pas Freeze, c'est Fries. Ok, donc je retire ma critique sur le jeu. Je pensais qu'ils avaient mal écrit Freeze comme Freezer, mais c'était son nom de famille. C'est moi qui connais même pas le jeu et qui me permet de le critiquer. Bon. Que me dit la carte? Et que me dit le chrono? Le chrono me dit qu'on a presque passé tout un épisode à faire un boss fight en fait. Mais non! Quelle blague. Merde. Problème. Ah! Infiltrer la Syrie, bah oui d'accord, mais laisse-moi sortir.
mesdames et messieurs. Je n'ai aucune idée de ce que je me demande. Une garde à vue. Oui, d'accord. Il y a même des trous. Garde mes... C'est n'importe quoi. Il y a des trous dans le mot à trouver. Il y a des trous dans la réponse. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai pas? Très bien. Le jeu m'a pris pour un con. Il a pas voulu me donner mon trophée. Ouais, je suis allé le prendre. Si le trophée ne vient pas à moi, je viendrai au trophée. Alors, je suis désolé, ça fait la cinquième fois qu'on regarde la carte en 5 secondes. Mais pourquoi ne peut-on pas sortir? Bon, je vais redire... Oula. Je t'en prie, tiens-toi. Et ferme un peu ta gueule, tu me fais honte. Ah. Ok. Voilà l'utilisation qu'il fallait en faire depuis le début. Alors, il y a sûrement un petit trophée caché dans les toilettes. Voilà. Et ça me redonne ma santé, c'est bon ça. Ça me redonne ma santé, mais... Ah oui. D'accord. Oula. J'avais même pas vu que c'était une porte. Tellement elle était pourrie. Il faudrait arrêter d'utiliser des portes comme si c'était des toilettes publiques. C'était quoi la gueule de cette porte? Revenez 10 secondes en arrière. C'était n'importe quoi. Oh. L'homme mystérieux qui a appelé disait vrai. On dirait que Batman lui-même sort du bâtiment. Ah oui, vraiment? Salut, Gotham. C'est moi. J'ai bien peur que Miss Bell ne doive bientôt quitter l'enfer. Velvel, comme le jour. Aïe, il va falloir sauver quelqu'un. On va s'écraser. M'aider. Si quelqu'un m'entend, on va... comment c'est possible de s'écraser vers le haut? Sauver Vicky Vale. Le crash de l'hélico. Gotham, je ne sais pas si vous me recevez. Mon hélicoptère a été abattu. On s'est écrasé quelque part dans Arkham City. Gotham, je ne sais pas si vous en avez quelque chose à foutre en fait. Non, ah bon. Ah, dommage. Au beau milieu de ce qui ressemble à une guerre des gangs entre... Qu'est-ce que c'était? Oh non. Entre des clowns et des pingouins. Il y en a tout autour de moi. Je crois distinguer des détenus qui se dirigent vers nous. Ah, pitié, si vous m'entendez, envoyez de l'aide. Elle passe un bon moment, Vicky. Vicky Vale, je répète, ici Vicky Vale. Si vous m'entendez, aidez-moi. Ça va, Vicky, tu veux pas mieux que... Tu veux pas mieux que les autres, hein? C'est pas parce que ça t'arrive à toi que... On va se dépêcher. On va même attendre le prochain épisode pour t'aider. Voilà. Tu l'auras bien cherché. Je vois pas comment je pourrais me louper et tirer ailleurs que dans la tête de cette journaliste à la noix. Ah. Est-ce qu'on va voir que Vicky se prend un pruneau en pleine tronche pour terminer l'épisode? Ce serait magnifique. C'est sûr qu'ils vous tirez, les mecs. Vous pouvez pas être un peu sérieux. Je vais tenter une petite technique avant de partir. Belle fumigène pour toi. Et coup de pied pour toi. Attention, c'est Batman. Attends, lui il s'est pas pris une belle fumigène il y a deux secondes.
Il est déjà opérationnel. Il est incroyable. Faut l'embaucher tout de suite. Bon, faut attendre un peu avant de l'embaucher parce que il faut attendre qu'il sorte de l'hôpital d'abord. Mesdames et messieurs, le toit du bâtiment Kirschen est redevenu calme. Soit ils sont partis, soit quelqu'un les a éliminés. On sait qui c'est, gros clin d'œil. À toutes, mesdames et messieurs.